Deuxième, est-ce que vous espérez gagner le deuxième, le prochain? Oui. Pour le reste, je laisse la pleine imagination aux journaux, surtout à compétition, pour modeler, pour imaginer tout le scénario du match ou quoi que ce soit. Voilà. On est bien content. Merci, bonne soirée. La victoire est vraiment méritée. Bon, sur la deuxième mi-temps, nous avons fait un partout. Même si je pense que la JSK a vendangé quelques occasions. Mais disons que notre deuxième mi-temps a été un petit peu plus correct. J'ai attaqué le match en 4-3-3, mais on s'est vite rendu compte que, vous voyez, ça ne veut rien dire. Puisqu'on a recommencé à maîtriser mieux notre sujet quand on a changé notre organisation derrière. On a fini en 4-4-2. On a essayé, on a tout essayé. Mais en face de nous, nous avions une grande équipe, il faut le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. Parce que bien souvent, on pense que nous avons mal joué. Non. Non. C'est la JSK qui nous a empêchés de jouer. C'est la JSK qui a fait ce qu'il fallait faire pour nous battre. Il n'y a rien à dire sur ce match-là. Et je pense qu'en continuant comme ça, la JSK a des beaux jours devant lui. Et je le souhaite en tous les cas. Voilà. Après, le match par lui-même, nous avons une équipe fébrile. On s'en est rendu compte. Le match s'est joué sur 2 minutes, 43e, 44e. Parce qu'on est dans une situation compliquée et il y a des joueurs qui perdent de suite un petit peu leur sang-froid. C'est dommage. Nous avons fait une seconde mi-temps un petit peu plus correcte, mais sans plus. Voilà. Dès le début, on a revu notre objectif. On va jouer à fond de chance, on va championnat. C'est qu'il, alhamdoulilah, même les joueurs, nous avons un message. C'est normal, on gagne 4-2 contre les MCO. Il ne faut pas oublier que les MCO, c'est une équipe coriace, ils jouent bien au football. La GSK, elle a pratiqué un beau football aujourd'hui. Je pense que les attaquants, ils ont fait leur travail. On a vu aujourd'hui un grand Ney.
Garnay, il a sa chance, il a saisi, même le gardien de but Bembot aussi. Je pense que moi personnellement je suis satisfait. On attend encore beaucoup d'eux pour la prochaine journée. Limite silence déjà concernant les matières guillemets que les jeunes ne soient dans les jeunes gmoutin d'iblida à moi dans des charbis de derrière tu connais dans l'année et la famille l'asile Ito, voilà la famille Ito Blida je sais que il a un mlech mlech Mathwalid Assagil, le public du 7 Swatas, il a soutenu l'équipe Inès, Aranan, Farhan, il y a encore le courage de nous faire encore un peu de travail.